Ah, et re. Donc, Alicia contre Live. Certes. Voilà. Donc, la game, effectivement, qui vient à peine de commencer. Donc, nous n'avons encore pas beaucoup d'action à nous mettre sous la dent. Si, on a quand même Live un petit portrait. Et là, il nous fait un petit dépôt, donc signe d'un wall, quand même. Voilà. Parce que, bon, faut pas déconner quand même. Alors, du coup, quelle est la principale méta actuellement en PVT qui a le plus souvent lieu? On a pas mal quand même de style bien, comment dire, bien établi maintenant. C'est vrai que si tu voulais vraiment le BO très très à la mode, c'est le 1-Rax Expo classique. D'accord. Donc voilà, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, il n'y a pas de gaz. Après, il y a juste un petit choix à faire pour le Terran, de faire l'expand avant le deuxième ou après le deuxième dépôt. Maintenant, au vu de son nombre de VSS que Live sort, ça sent le CC15. D'accord, bon, on va voir si l'avenir te donne raison. Et pour l'instant, donc effectivement, Alicia qui commence à scouter très tôt pour voir effectivement si, à mon avis, s'il va poser son command center à 15. Ouais, ça va lui donner l'information assez rapidement. Maintenant, ça m'étonne un peu que les maps MLG, je pensais que les maps MLG étaient qu'en cross, donc c'est pour ça que ça m'étonne un peu qu'il scoute toutes les bases. Mais bon, bref, donc on voit quand même le CC15, enfin CC14 même de Live, donc pas de grande surprise. Et c'est vrai que là, Alicia va pouvoir enfin prendre l'info. Et bon, bah, c'est vrai que surtout sur cette map, le classique, c'est souvent de partir un petit peu standard au départ pour tâter l'adversaire. Surtout, Alive et Alicia, c'est quand même des gros joueurs, donc il n'y a pas de réel favori sur le papier. Non, d'accord, effectivement. Et du côté d'Alicia, ça a l'air plutôt classique également. J'ai pas eu trop le temps de voir. Damned, le spectateur de la MLG. Là, on voit quand même que bon, voilà, Alicia maintenant à l'info, donc il va pouvoir s'adapter. Donc il y a pas mal d'adaptes hein, quand même pour le Protoss. C'est vrai que le plus gros. Le Protoss est fourbe. Le joueur Protoss est très fourbe. C'est au terrain quand même de faire attention. C'est surtout là où ça devient compliqué quand on fait une expand très rapide. C'est que on peut que scout en fait avec son VSS. Donc il faut prendre beaucoup d'informations et essayer de bien lire le jeu de l'adversaire. Maintenant, on voit que Live commence enfin à scouter. Donc. Et Alicia, du coup, qui a vu le command center, en a profité pour poser son deuxième Nexus. Tout va bien sur la Terre pour l'instant. C'est tranquille, voilà, on est pépère, posé. Exactement. Là, on voit le départ classique. Après, il faudrait voir si Alicia se décomplexe un petit peu, enfin, entre guillemets, prend une B3 plus que rapide. Maintenant, c'est vrai que là, comme je vous disais tout à l'heure, là, il va falloir vraiment qu'il prenne les bonnes informations pour s'adapter aussi. Voilà, puis il scoute assez tardivement, mais il va avoir le temps de jeter un bon petit coup d'œil à la base son adversaire. Ouais. Donc il a vu le Cybernetic Core, je sais pas s'il a vu l'expand, je pense que oui. Ah oui, je pense que très honnêtement. Il a dû voir l'expo. Il a peut-être même dû voir qu'il n'y avait pas encore le deuxième gaz de prix, donc ça peut être intéressant. Maintenant c'est vrai que bon, ça, à ce timing là, c'est assez rare. Et on voit cette prop qui se dirige quand même vers une B3 avec pas mal de minerais en banque, donc ça sent quand même le phase B3 pour Alicia. Aurait-il la soif de l'or ou du minerai en l'occurrence? Oui, peut-être là, en tout cas il prend directement son Nexus, voilà, effectivement, voilà. Ça fait 3 bases. Il prend cette B3 et Live qui fait de même, donc je pense on peut effectivement, sans trop s'avancer, qu'il part dans une macro game qui va se finir de façon dantesque. C'est vrai. Dans un affrontement lyrique dans les plaines de Entombe Valley. C'est ça, là ça part clairement en macro game, là ça va pas avoir beaucoup d'agression au départ. Maintenant c'est vrai qu'on va avoir vraiment une intensité, en tout cas au mid game, qui va être épique. Et une petite pression quand même. Pression au Stalker qui malheureusement rentre chez sa maman. Déçu de tomber face à un gang de Marines qui l'attendait. Là, mais ouais, c'est vrai que là, bon, il y a pas une. Bon, Alicia a pris quand même l'information entre guillemets qu'il y avait toujours que des Marines, pas de Maro. Maintenant, bon, bah ça. Enfin, là pour le moment, c'est plus que classique. Et on peut voir que là, il va toujours pas. Pas poser tout, enfin beaucoup de racks. Ouais, il a pas beaucoup de techés non plus, parce qu'il vient de lancer à peine son lab. Le troisième command center va pas tarder à finir. On a deux engineering bay. Donc là c'est plutôt pas mal hein, pour Live. C'est vrai que quand on fait un CC14 ou CC15, faut quand même après mettre un rythme, sachant que l'adversaire lui peut partir voilà phase B3 ou pour en tout cas mettre une pression. Donc il faut prendre un avantage soit macro directement en sortant beaucoup de racks, soit dans ce cas-là économique et sur les upgrades. Donc là effectivement il va peut-être essayer d'avoir un timing 1-1, non? Là en tout cas il se dit que ça va partir vraiment mid-late game, donc il faut prendre un avantage. Et l'avantage c'est la B3 plus les ups. Et là en plus il scoute cette B3. Voilà, donc en gros c'est tout bénef pour lui pour l'instant, il a l'information. Le Stalker qui
Ouais, le Stalker qui est passé. L'honneur est sauf. Ouais, le Stalker qui est tombé. En plus, là, c'est bien. Il y a une petite pression. Donc, ça coupe. Voilà, encore les 3-4 probes là, qui vont pas bosser. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, bah, ça met toujours une petite pression quand même. Ça montre que, bah, en tout cas, Alicia a pas eu l'information qu'il y avait la phase B3 du côté de Live. Donc, ça peut, on va dire, un petit peu tromper Alicia sur sa lecture. Donc, il doit se méfier. Par contre, à Live, il a toujours pas. Vous êtes en train de transformer ça. Oui, effectivement. Je vois pas trop pourquoi il a pas encore bougé son command center là. Bah peut-être qu'il chie dessus. Mais bon, il y a pas de raison. Là, en tout cas, il a. Il a pas l'air parce que pour l'instant, il est plutôt agressif avec son adversaire. Il le laisse pas trop reposer. Sa B3, il est pas tout à fait d'accord. Et là, en plus, c'est pas mal parce qu'il gratte quand même pas mal de probes avec peu de marines. Donc là, vraiment une bonne opération en tout cas pour Live. Mais mine de rien, voilà, on peut voir qu'il y a un proxy pylon qui a été posé. Donc il y a pas mal de gates derrière de la part d'Alicia. Voilà, Je crois que j'en ai vu 6 ou 7, ouais. Donc là, c'est quoi ce sûrement un petit misclick hein, de la part de Live là quand même là parce que c'est un petit peu dommage. Donc mine de rien, une bonne opération hein, quand même pour ouais, sur les Marines vont tomber, le command center sera absolument, enfin le Nexus ne sera absolument pas inquiété grâce à sa barre de vie plus que suffisante pour résister à l'assaut. Et du coup, bah il doit flairer le push à mon avis. Ouais, c'est là je pense que. De toute façon, vu les infos qu'il a pu prendre, c'était à prévoir. Ouais, il le sent un petit peu là. C'est vrai que c'est une bonne lecture en tout cas hein, de la part de Live là de poser quelques bunkers. Et surtout, il monte toujours pas sa B3, donc il utilise son troisième CC pour envoyer ses mules et sortir plus de VCS. Donc c'est bien fait de sa part. Et derrière, c'est vrai qu'il a bien prévu hein, là comme tu dis, bien senti en tout cas le coup. Et en plus, il scoute ce pylône. Ouais, il le scout, il a également scouté en fait dans son expand de la troisième, il a vu qu'il y avait un probe qui attendait sagement de voir si un command center allait débarquer, donc il a eu le nez creux, je pense qu'il doit parfaitement connaître son match-up sur le bout des doigts d'ailleurs, parce que là il est vraiment effectivement tout à fait dans le timing pour contrer son adversaire, d'ailleurs il a une jolie force d'attaque, il a une belle petite ligne Maginot qu'on ne peut hélas pas contourner. Ouais, là, ça, en tout cas, c'est bien fait de la part d'Alicia de pas justement continuer dans cet assaut qui est vraiment complètement scouté. Et puis là, du coup, il va tomber sur le proxy pylon au nord de sa base. Mmh. Ouais, là, c'est bon. Bah là, ça va. Enfin, on va dire qu'Alicia voulait mettre une bonne pression pour bien se relancer sur cette B3. Et surtout, là, on a pu voir qu'il sortait aussi ses doubles forges. Et surtout, que là aussi, Alive commence à sortir sa macro et poser sa B3. Donc là, voilà, comme prévu, hein, comme on pouvait le deviner au début de partie. Bah ça va partir en mid late game hein, et ça va mettre du gros combat maintenant. Faut que Live quand même commence à mettre du rythme et puis commence à sortir aussi des medivacs. J'ai pas l'impression qu'il en ait envie pour le moment. Hein. Ouais, Alicia est plutôt prudent d'ailleurs. Hein. Enfin, il a vu qu'il y avait la défense. Il a fait bon, je vais pas tenter le coup, je vais rentrer chez moi tranquillement, je vais attendre un petit peu, me développer. Mais. Pour l'instant, c'est plutôt statique. Bah ouais, ça serait bien qu'il s'active un peu. Ouais, parce que là, on est déjà tard, on va s'endormir. Voilà, donc son starport qui est prêt, ça serait bien voilà, qu'il commence aussi à sortir ses medivacs pour justement mettre du rythme et bousculer un peu Alicia, parce que c'est vrai que là, ça commence à partir bah, vraiment dans la tech du proto. C'est vrai qu'un proto sur cette map, en tout cas, surtout en cross, si on le laisse jouer, on peut voir, voilà, il commence à faire. Enfin, il a bientôt fini Charge Lot, il lance son bat. À Templar et surtout une robot là, effectivement il n'avait pas de robot pour l'instant, ça va commencer à faire le mix en tout cas late game et ça va commencer à faire mal surtout avec la micro que peut avoir Alicia hein. Pendant que Live effectivement on a vu juste avant qu'il avait pris ses deux gaz sur sa troisième base sur sa deuxième expand donc et pendant ce temps là il reste très actif puisqu'il se balade beaucoup sur la map avec des petits groupes donc ça c'est vraiment il est très éveillé ce garçon, il cherche vraiment la petite bête. Ouais, et il a vraiment raison. Ouais, il essaye de bien. Troisième pylône là. Hein, ouais. Il doit les comptabiliser, il doit faire des croix sur le mur à côté. Bon, en tout cas, il arrive bien à justement enlever ce map control que veut avoir Alicia sur justement en plaçant des pylônes dans les expos. Ah, et voilà, et voilà le petit drop qui famille qui fait plaisir. Le petit drop qui voilà bon fait bouger un petit peu quand même, ça montre voilà j'ai mes medivacs donc faut quand même que tu fasses attention, que tu sois réactif aussi. Et Alicia d'ailleurs qui est tout à fait réactif puisqu'il a pas fait grand chose avec cette tentative. Ouais. Et il envoie sa petite bioball qui m'a l'air ma foi bien sympathique. Ouais là ça devient pas mal, il commence à sortir ses medivacs. On voit l'up aussi pour les ghosts qui est bientôt fini, donc c'est pas mal. La B4 qui est lancée et le 2-2 surtout qui va bientôt se finir, donc un bon timing. Ouais, sachant que l'autre n'a pas encore ses 2-2 effectivement et ni son storm. Ouais là ça c'est un très très bon timing. Il a une magnifique fenêtre là pour effectivement attaquer. Bon. Voilà. Allez, malheureusement, c'est voilà le force field qui vient effectivement couper court à la tentative d'agression. Est-ce qu'on va essayer de passer par l'autre rampe? Enfin, très très bien joué un coup de la facto quand même pour et le facto qui permet d'avoir la vision effectivement sur la cliff. Et là, effectivement, les Marines qui s'engagent et qui vont essayer de faire quelques dommages parmi les charge lots, mais non.
Non, non, Alicia a fermé la porte. Ah, très bonne micro hein, de la part de Alive. Mais cela dit, Alive effectivement qui est sur un autre front et qui réussit à rentrer, là on lui avait initialement interdit l'accès. Il va probablement faire quelques dommages sur la deuxième expand de l'adversaire. Et pendant ce temps-là, bah, effectivement la factory qui lui permet d'avoir la vue et de rétamer les unités adverses. Verdun, quelle boucherie. Et là, ouais, là, bah, là c'est plus que compliqué à 185. Là, pour l'instant, ça commence à être. C'est la crise. Comme dit Reserator, mais meurs. Meurs de décédence. It's over. Et voilà. GG, Alive qui nous a fait une attaque, qui nous aura dit voilà. J'ai macro toute la game et suffira de d'une attaque. Tout non simplement. Mais de toute façon là c'était là c'était parfait. Je veux dire il a scouté tous les pylônes, il a complètement anticipé le timing. À croire qu'il connaissait le build order de son adversaire sur le bout des doigts.